J'arrivais à Nice avec le coach Fabre. J'ai fait que 6 mois. Après, il y a eu un changement de coach où c'est le coach Vira qui est venu. Donc après, c'était toujours compliqué quand un autre coach vient avec ses joueurs. Voilà, après, donc j'ai fait le choix de venir à l'Estac. J'ai consulté ma famille. Après, il y a eu un gros poids en voyant le président venir à Nice pour me parler. Et ça a eu un gros impact dans mon choix. Bah, mes attentes, c'était, comme il a dit, de trouver du temps de jeu et de m'épanouir. Je dirais plus que j'ai stagné parce que je pense que Troyes, c'est un club, c'est un grand club et pour moi, ils prétendent à monter en Ligue 1. Donc, je considère Troyes comme un club de Ligue 1 et j'espère que ce sera le but final. Il y a aussi RL qui était là et ils m'ont dit que du bien de ce club. Ils m'ont dit comme quoi j'allais bien être accueilli, que c'était un club familial, que tout le monde est derrière les joueurs, toute la ville. Et franchement, ils m'ont dit que du bien et je pense que j'ai fait le bon choix en venant ici. C'est très positif, ça permet de mettre de la concurrence, ça permet aussi de repositionner un petit peu tout le monde dans le groupe, ça permet aussi d'avoir une arme offensive très intéressante pour nous, pour pouvoir prétendre bien se positionner dans ce championnat. Vous doutez bien qu'avec la fin du mercato, ben maintenant on va pouvoir travailler quand même relativement avec un peu plus de sérénité au niveau de l'effectif. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir l'effectif qui est fini, qui nous permettra sûrement de pouvoir essayer d'être un trouble-fête cette année.